Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment acheter une baguette en France. La baguette, c'est ce pain traditionnel français que l'on mange le matin, au petit déjeuner, mais aussi aux autres repas pour accompagner le plat principal. Et maintenant, nous allons vous montrer comment en acheter une ici à Paris. On y va ? Comment est-ce qu'on fait pour acheter une baguette en France ? On se rend dans un boulanger ou éventuellement dans un magasin plus important et on commande le type de baguette que l'on souhaite. Et ensuite, on paye pour cette baguette en fonction du prix qui est octroyé par la boulangerie. D'accord. Et quelle formule on utilise pour demander ? Déjà, bonjour. On essaye de dire bonjour. S'il vous plaît, je souhaiterais avoir une baguette ou une tradition. Et merci beaucoup. Et voilà. Bonjour, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît ? Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Une baguette ordinaire ou tradition ? Une baguette ordinaire, s'il vous plaît. Pour approfondir votre apprentissage du français, n'hésitez pas à devenir membre d'Easy French sur Patreon. Le lien sera juste dans la barre d'infos pour avoir accès à des exercices reliés à toutes nos vidéos. Bonjour. Alors, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Ordinaire ou tradition ? Ordinaire, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose avec ça ? Non, ce sera tout, merci. Merci beaucoup à vous. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ce sera tout ? Bonjour, j'aimerais acheter un croissant et une baguette, s'il vous plaît. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Bonjour, je vais prendre un croissant et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Et avec ceci ? Ce sont des pâtisseries. Dans beaucoup de boulangeries, on vend aussi des pâtisseries. Par exemple, ici, on a du flan. Un gâteau typiquement français. On a aussi une galette des rois, qui est un gâteau traditionnel que l'on mange au mois de janvier pour célébrer l'épiphanie. Alors, je vais vous prendre un croissant, un pain au chocolat, une baguette tradition, une galette des rois pour 4 personnes et une boîte de macarons. Ça marche, ça sera tout ? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé notre épisode d'Easy French. On espère que ça vous a aidé et que si vous venez en France, vous pourrez vous aussi acheter une baguette dans une boulangerie. Si l'épisode vous a plu, likez la vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Easy French pour ne rater aucun épisode. Merci, à bientôt !